col à 1000 mètres. Ça va, je pensais qu'il ferait froid, mais en fait, ça se passe plutôt bien. La route est bonne. Et on monte encore. Ça va, Ruben ? Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'un an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. Alors pendant qu'on cherchait notre homestay dans le village, les gens nous l'ont indiqué un petit peu plus loin et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à sortir du village et on s'est perdu. Mais c'est les joies en fait de se perdre dans ce genre de cas, c'est qu'on vient de passer par un chemin où entre nos valises, enfin avec nos valises, t'as pas du tout envie de croiser quelqu'un d'autre en scooter. Mais on est passé par des paysages sublimes. Et on est arrivé à un cul-de-sac. Enfin, disons que ça continue, mais en escalier. Donc là, on a compris qu'on s'était trompé. Tant pis, on est en train de faire demi-tour. Mais les paysages aux alentours, encore une fois, sont juste splendides, magnifiques. Et on trouve ça, mais vraiment à couper le souffle. C'est génial. Bon, allez, on retourne au village et on va essayer de trouver notre homestay. C'est parti! De la retrouver notre obsté et je pense que ça valait le coup de se perdre en fait parce que encore une fois les paysages aux alentours sont merveilleux et puis au détour d'une rue, une allée, je sais pas comment on pourrait dire, on arrive devant une maison, on se pose et là c'est juste monumental ce qui nous est arrivé, la porte était fermée, la porte s'ouvre et on a une petite mamie vietnamienne qui débarque, on lui dit est-ce que c'est bien ici la homestay et elle nous dit oui et à partir de là elle fait un énorme sourire, c'était trop mignon. Donc voilà, c'est bon, on est arrivé, on était perdu au début, là c'est tout bon, l'aventure peut commencer. On va rester 3 nuits ici, ce qui va nous permettre pendant les 2 jours pleins en fait, de visiter au maximum tous les villages d'artisans aux alentours. Il fait pas super beau, la pluie vient juste de s'arrêter, mais j'en profite pendant que Alice et les enfants font l'école, je vais aller explorer un peu les environs, je sais qu'il y a un point de vue en haut de la montagne juste derrière nous, et je vais aller voir si c'est accessible avec les enfants pour qu'on puisse le programmer dans les prochains jours. J'espère que ça va être top. Allez, un petit fruit et c'est parti. Alors évidemment, il n'y a rien d'indiqué. Mais ils sont tellement gentils, les habitants de ce village, qui m'indiquent par les petits gestes par où je dois passer pour aller sur ce point de vue qui est tout en haut de cette montagne. Allez.
les rochers qui sont très glissants parce qu'il a beaucoup plu et que ça monte vraiment tout droit. Mais ils ont même aménagé des espèces de marches avec les cailloux. Et c'est vrai que c'est assez agréable avec des beaux passages. Je suis en train de bientôt atteindre le sommet, j'ai l'impression. Superbe. Il y a vraiment des beaux passages sur le petit chemin dans la jungle. Je suis en train d'arriver au sommet. Je pense que j'ai mis 20 minutes, une demi-heure pour monter. Et ben voilà, je vous parle et moi je tombe. Ah, c'est pas cool. J'ai glissé. Allez, concentre-toi, Fred. Ah, c'est vraiment très très chouette. On est sur une petite crête. Et ça n'ira pas plus loin parce que on est vraiment au sommet de ce pic karstique. Oh, il y a une petite cabane, c'est trop chou. Vraiment super beau. Et là, on surplombe complètement le village. La homestay est juste en bas, là, dans les maisons que vous voyez. Aujourd'hui, c'est pas une belle, belle journée pour vous montrer le paysage, mais c'est complètement waouh. Vraiment, regardez, il y a encore un pic encore plus haut. J'adore. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée et on part à la découverte des villages d'artisans qui se retrouvent sur la route pour aller aux cascades de Bandjok. On a hâte de découvrir ça, on a un guide qui nous accompagne parce que les routes ne sont pas toujours clairement indiquées, donc il va nous montrer toutes ces petites pépites. On vous emmène avec nous. Les vieilles dames édentées, on leur dit Xin Chao, ce qui veut dire bonjour, et elles répondent bye bye. Et je pense qu'elles répondent bye bye comme on dit bonjour en fait, hein. C'est juste qu'elles se trompent. Elles sont trop trop belles. Nous, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est pouvoir participer, regarder, peut-être même un peu mettre les mains dedans et voir comment ça se passe. Donc, on vient d'arriver dans une des familles. Et ils vont nous présenter à la fois comment on fait le papier et comment on le fait sécher. Et ça a l'air d'être des techniques assez originales. Donc on va découvrir tout ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une région assez pauvre du Vietnam. Ce n'est pas la seule malheureusement. Hein. Mais le gouvernement a essayé de développer le tourisme ici et notamment en facilitant l'accès et en créant des routes plus sûres pour que les touristes puissent plus facilement venir ici à la rencontre des ethnies minoritaires et de découvrir leur artisanat. Alors apparemment c'est quelque chose d'assez récent, on fait partie des premiers, ça date d'un ou deux ans en fait. Et j'espère de tout cœur que le tourisme ici saura être quelque chose de serein et qu'on ne va pas assister à du tourisme comme dans beaucoup d'autres lieux où ça explose d'un coup, ça change beaucoup les relations. Là apparemment il y a très peu de touristes qui viennent, ça reste quelque chose de très limité. Et puis surtout nous, ce qui nous intéresse c'est de partager avec eux, c'est pas simplement regarder, c'est de passer vraiment un moment avec eux. Donc voilà, c'est une nouvelle comment je pourrais dire, activité en fait, et on va découvrir ça ensemble. Le but de cette initiative c'est de diversifier le revenu des gens qui vivent ici, qui sont majoritairement agriculteurs. Et voilà, ce que nous on espère de tout cœur, c'est que ça va être fait de manière harmonieuse et respectueuse des populations et qu'on va pas assister à un gros tourisme de masse. Pour l'instant, on en est encore très très loin, hein. C'est une initiative qui est encore toute jeune. On en est qu'à ses débuts et puis on va voir comment tout ça évolue au fur et à mesure des années. Quelle feuille il s'agissait, mais là on est en train de voir la dame qui est en train de préparer les papiers. Donc on regarde ça, on découvre et on se tait.
maison, tous les murs qui sont en bois, hein, elle les recouvre de ce papier afin de les faire sécher. J'ai vu un autre magasin où il y avait des couteaux encore plus petits. On va aller voir. Papa, regarde elle. Parce que maman vient voir ce couteau. Regarde elle. Elle est longue. Stéban et Ruben, depuis tout petit, sont fascinés par les couteaux. Ils ont toujours eu une grande passion pour ça et que très tôt, on leur a laissé avoir leur propre couteau. Alors, pas des couteaux de ce genre, hein, je vous rassure, mais voilà, ils aiment tailler des flèches. Il y a un gros camion qui vient de passer. Ils aiment tailler des flèches, ils aiment couper du bois, ils aiment scier. Donc, le village des couteaux, pour eux, c'est... Pour eux, c'est splendide. Alors ici, on est dans le village des couteaux. Et en fait, c'est une spécialité et c'est réputé à travers tout le Vietnam. Donc, ils font le même type de couteau. Ce sont des couteaux très fonctionnels. C'est du couteau de boucher, du couteau pour la cuisine. Et aussi des faucilles qui vont servir donc pour tout ce qui est l'agriculture. Donc encore une fois, hein, des couteaux très fonctionnels, réputés à travers tout le Vietnam. Et de ce qu'on a compris, la spécialité ici, c'est qu'en fait, ils récupèrent des amortisseurs de véhicules d'occasion. Ils les retravaillent et surtout avant, ils les font tremper dans un mélange avec de la chaux et du charbon d'un bois qui est réputé être très résistant. Donc il y a aussi, un, le trempage qui fait qu'ils sont très réputés et ensuite la manière dont ils vont travailler le métal pour leur donner cette forme. Ils sont vraiment super aiguisés. Nous, on voulait en acheter pour les garçons, mais comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas du tout adaptés pour eux. Ils sont extrêmement pointus, extrêmement coupants. Donc voilà, ce n'est pas adapté pour les enfants. Et on le voit bien que des Vietnamiens viennent ici pour acheter directement leur outil de travail. Chaque village a une spécialité. On est dans le village des forgerons et ils font des couteaux. Puis ensuite, on va passer dans le village où ils font du tissage et de la teinture. Et c'est comme ça, en fait, dans chaque village. Donc, c'est vrai que c'est un côté, toute une rue remplie de couteaux, par exemple, quand on est dans ce village-là. Et alors, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est qu'on voit que le tourisme ici, on est à ses débuts et les gens ici sont avant tout là pour travailler. Ils ne sont pas forcément là en mode on fait des ateliers pour les touristes et le tourisme n'est qu'un complément de revenus. Donc il n'y a pas, il y a un atelier où on peut apprendre nous à faire ça. C'est pas le but. Et d'un certain côté, ça peut être frustrant pour nous en tant que touristes, mais je trouve ça aussi tout à fait compréhensible pour eux. C'est leur métier principal. Ils ne sont pas figurants. Ils ne sont pas là en train de dire aujourd'hui, ma journée, c'est de montrer à un touriste comment faire. C'est non, je fais mon travail. Quelqu'un vient, je lui montre. Mais voilà, que vous le sachiez si vous venez ici et que vous ne soyez pas frustré et déçu, parce que je trouve que ça se comprend parfaitement. Thank you.
On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu et à mettre un commentaire si vous avez des retours ou une question. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour être sûr de ne manquer aucun autre épisode. Et puis sinon, on se dit comme d'habitude, à la semaine prochaine, mardi, 20h. À bientôt !